Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. On est avec un petit backpack. On m'a dit de me retrouver ici, à cette adresse ce soir, avec un petit groupe, de ramener ma clique. Vous savez, en ce moment, là, avec la G-Corp, on fait des vlogs, tout ça, etc. Ce soir, c'est moi qui vais tourner, qui vais tenir la cam. On m'a envoyé un petit truc comme ça, petit numéro de téléphone là, que vous avez utilisé pour savoir ce qui allait se passer ce soir. GHN, j'imagine, pour Gotaga Horror Night. Et regardez comment on est bien accompagné. Salut. Bonjour messieurs. Ciao. Salut. Bonjour, donc Doc, tu nous as ramené une petite équipe là, c'est ça? On a aucune idée de ce qui se passe. Rien. Juste Gotha nous a dit, il a besoin de renfort. T'as qui sur Paris les de près? Il y a le grand JD, il y a Feldup qui sont venus comme ça à fond. C'est réel, et maintenant on te suit gros. Ouais, c'est toi le boss. Même moi, je les ai invités, c'est un gigatrap, les gars, je sais même pas ce qu'on Qu'est-ce qu'on va foutre? C'est-à-dire, moi, on m'a sous-entendu parce que toute la semaine, on vous a teasé, certains ont été très chauds, ont trouvé justement avec tous les petits indices, etc., le trailer où on annonçait les guests, etc. Mais même moi, je vous promets. Je sais pas ce qui nous attend là. Non mais t'as là, pas envie de moi, ça. Moi on m'a juste dit, y a un petit là, stress, quoi. Vous rejoignez devant, vous ouvrez la porte. Après, normalement, le grand JD, t'as l'habitude d'aller dans des endroits que tu connais pas. Ils sont abandonnés, y a pas des c'est trucs vrai. Ils sont non, abandonnés. C'est vrai, les c'est vrai. T'as des trucs des fois. Donc là, tu te chies dessus comme nous quoi. Complètement. Je sais pas quoi, ça va ou pas? Ouais, ça va, tout serein. Donc on est d'accord, c'est notre capi-chef ce soir. Bah techniquement, je pense par défaut. Attends, parce que je pense. Par défaut, tu vas être le leader technique. Fais-le du parce qu'il paraît qu'il a pas trop peur, il craint pas trop. Je suis pas un mec serein. Retenez ça, dans une demi-heure. Donc toi, t'es notre gars sûr. Toi, t'es le gars qui, quand personne veut y aller, tu vas. Ok. On se répartit bon, les tâches. Vous êtes prêts? On y va. Moi, je suis le cerveau. Toi, t'es le capitaine. Non, les gars, vous, non, et toi, t'es le cadreur. Non, les gars. Je suis cadreur et cerveau. C'est non, pas possible que ce soit le cerveau, ce gars-là. Non, jamais, on rentre. Non, mais toi, t'es le mec t'as marrant. T'as jamais fait des skates. Toi, t'es le mec marrant. Attendez, venez. Go. On y va? Allez, les gars. Allez-y, les gars. Putain, bordel. Donc là, on rentre. Ouais. Donc, petit couloir simple. Ouais, le truc, c'est que je sais pas quand ça commence. Ça se trouve, il y a un passage secret. Ça se trouve, il y a déjà des indices. Tu vois, il y a le livre d'Anil, là, déjà. C'est les 7 merveilles by Anil B. Donc maintenant, parce qu'on est censé être dans un escape, c'est ça? Faut commencer à... Je sais pas si ça commence ici, si on va être accueilli. Si... Je peux savoir ce que vous faites là? Alors, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas de bonsoir, on est fermé après 19h ici. Ah, alors invitation spéciale. J'ai reçu cette invitation. On m'a dit de me pointer. Ouais. Vous avez vu cette carte aussi? Ah, du coup, tu peux nous en parler? Bah en fait, ça fait 3 mois que j'ai des gens comme vous qui viennent devant ma librairie, qui viennent avec cette putain de carte en me disant ouais, il y a votre adresse et tout. Ouais. Bon, ok, je vais vous expliquer. Ça fait un petit moment déjà que moi, quand les gens ils viennent, je les recale. Ok. Bon, moi, je savais pas trop ce qui se passait. Ouais. Mais j'ai fini par comprendre en fait. Et c'est quoi du coup l'histoire? Parce que nous, j'avoue, on a juste suivi le. Bon, c'est juste. Ouais, vous voulez pas gêner ou quoi, hein, vraiment? Bon, c'est dur, on va passer une soirée cool. Tu rentres pas? Ouais, mais je t'avoue que pour nous, on avait rendez-vous ici à une heure précise. Nous, si on se fait inviter. À la base, je savais pas trop d'où ça venait, mais j'ai fini par comprendre. En fait, je pense que c'est un rapport avec un accès secret qu'on a dans la librairie derrière. En fait, cet accès, il donne directement accès au souterrain de la ville, 30 mètres sous terre. Oh merde. Bon, c'est pas très connu des Parisiens, mais je sais pas si vous avez entendu parler de la Cité des Martyrs. Non. Mm-hmm. Tu connais? T'as pas fait une vidéo dessus, toi? Un truc comme ça? Le grand gilet, t'es pas parti. Non, c'est un truc, je sais pas, j'essaie d'être dans le replay. Vas-y. En fait, nous, on est youtubeurs. Donne-nous des infos, qu'est-ce que c'est? Et lui, il a l'habitude de faire beaucoup de. C'est un truc connu ou? Cette cité souterraine, en fait, à la base, a été créée il y a des décennies. À la base, quand il y avait encore des pandémies, la peste noire, ce genre de choses, on y cachait des gens malades. Ouais. Sauf que maintenant, c'est un endroit où on y cache des gens pauvres, des malades mentaux, des psychopathes, des gens recherchés un peu par le gouvernement. Ah ouais, non, on est vraiment pas fait pour ça. Si vous avez cette carte, c'est pas pour rien. Ouais, c'est Gotha qui l'a eu. C'est lui qui a reçu. Mais juste, ça n'aimait pas, moi. Ouais. Nous, on est vraiment. On a volé quelque chose alors. Parce que tous les gens qui reçoivent cette carte, on leur a volé un objet de valeur. Ah non, je suis pas un voleur. Mais toi, on t'a volé quelque chose. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on m'a volé? Oh putain, c'est du métal là. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Ouais, on m'a volé pas mal de points FIFA. Les points FIFA, on en a pris pas mal. Ah d'accord. Ouais, non, ok, non. Un truc de valeur? Un truc de valeur? Tous les gens qui reçoivent cette carte, en fait, on leur vole des objets de valeur. Donc à un moment donné, on a dû te voler quelque chose. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Trophée. On va réfléchir. Ah non, moi ça va, j'ai un entourage chien, tout ça, etc. J'ai juste vu la carte sur mon bureau, j'ai pris, on m'a dit de me pointer là. Ouais, mais il y a plein de trucs qu'on n'est pas au courant, ça se voit. Bon, en tout cas, je vous le dis, il y a un taré en bas. Non mais tu vas pas nous envoyer là-bas quand même. Ah mais maintenant que t'es là, maintenant que tu m'as dérangé, si tu vas descendre en fait. En fait il y a un taré en bas, il s'amuse à jouer un peu avec ses victimes. Ses victimes carrément. Ouais carrément. Okay, ouais. Vous avez la carte, c'est que c'est lui qui vous a invité. Il fait descendre les gens dans la cité des martyrs.
chez lui, dans un endroit un peu spécial de la Cité des Martyrs. C'est un ancien palais du rire abandonné. Et en fait, à mon avis, il faut absolument que vous descendiez, parce qu'à mon avis, il y a un objet de valeur à un d'entre vous, en bas. Putain. Et si vous êtes là, c'est qu'à mon avis, ça a l'air d'être assez important pour vous. Je vous dis que vous allez descendre, par contre, vous risquez de croiser des gens. C'est les martyrs de la cité, je vous préviens tout de suite, ils sont un peu bizarres. Ils comprennent pas trop quand on leur parle. Il y a des trucs à ne pas faire surtout avec eux, pour pas les exciter. Faites attention à tes affaires personnelles, parce que je vous dis, ils volent les trucs. Donc faites attention à vos affaires, vous faites rien voler. Ne laissez pas trop s'approcher. On peut pas leur parler. On peut essayer. On prendra pas, quoi. Okay. Mais joue pas trop mal. Ah ouais, je pourrais nous faire démarrer. Hein. J'espère que t'es content d'être venu. Merci pour l'invite, je voudrais remercier le chat, l'invitation. Le mec qui vient de Suisse, il se fait démarrer. Après Feldup, il a peur de rien. En bas, je vous le dis, vous êtes jamais descendu. Je sais que le palais du rire, l'entrée du palais du rire, c'est une énorme tête de clown. Une énorme Alors, tête de... vous descendrez en bas, vous vous baladerez dans la cité des martyrs et vous chercherez une tête de clown. Tête de clown. Quand vous aurez trouvé une tête de clown géante, c'est que vous êtes au bon endroit. Mais si on revient pas d'ici un moment, t'appelles peut-être des renforts. Parce que nous, on n'est pas là pour y laisser notre genre vie. Genre la police, enfin, j'en sais rien. Des... Ouais, nous, on fait juste des vidéos de sur Internet, on sait pas. Surtout, je vous préviens, pas de police. T'es d'accord. Ok. Ok, vous avez compris, vous descendez. Est-ce qu'on peut encore. Enfin, on est obligé d'y aller ou on peut encore se concerter pour peut-être éviter. Trop de questions. Mais non, mais. J'ai peur, vous êtes venu, vous avez fait les malins avec votre carte, maintenant vous allez descendre. Ok, ok. Bon, on va descendre. Proposez si gentiment, on va y aller. Bon, allez. Juste bien, dès qu'il y a un. Alors, tu feras gaffe, c'est une bibliothèque, ça, par contre. Tu peux. T'es sûr? Oh putain, il m'a déjà mindfuck. Tu sais que tout à l'heure je disais ça pour la vanne qu'il y avait. Tu sais, je te prenais un livre comme What ça. What the fuck? Ah, ça commence. Il y a des ascenseurs ici. Tiens, vas-y, gâte la priorité à toi. Il a peur des ascenseurs un peu. Quand même. Bah, amusez-vous bien. Passez un bon live. Moi je. Non, mais profitez. On a besoin de toi, Viens, non, viens, faut y aller. Je suis d'accord pour la grande gaillard. Il y avait pas un truc à annoncer aussi par rapport. Ouais, alors on n'est pas là pour parler de. On n'a pas peur des ascenseurs. De toute façon, c'est un ascenseur normal. Ouais, il fait maison, quoi, comme tu peux voir. C'est vrai qu'il a... Fait maison, comment ça? C'est quoi ces bruits, là? Ouais, ça... C'est quelqu'un qui doit pisser, qui prend une douche. Vous faites descendre, rappelez-vous. La vie de ma mère, c'est comme la tête de clown. La vie de ma mère. Et si vous croisez des martyrs, faites pas trop les malins avec eux. On les esquive, on les ignore? Pas de selfie. Fais attention à eux. Oh, putain. Normalement, c'est censé fonctionner. Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, ça. Mais y a pas des escaliers sinon, un escalier, ça va. Oh, non, on y va. Vas-y, en tout cas, on est parti, on est là pour ça. Ce qui se passe en bas, ça me regarde pas. M'appelez pas. Vous avez rien vu, rien entendu. Ok, merci pour toutes ces précisions, monsieur. Est-ce que tu trouves... On est d'accord, il est quand même sacrément chaud, son t-shirt. Enfin, il a vraiment... Il se déshabillera après. On a rien à foutre, encore une fois. Bien, super. Putain de merde, il est pas pour toi, lui. Hein. Non. What the fuck? Ah oui, ça descend très bas. Oh, putain. Vous entendez? Ça bouge beaucoup, les gars. La caméra, je suis désolé si ça vibre. Mais ça descend à une vitesse de fou, tu vois, gros! Essayez de voir si c'est déjà pas une pièce ou un truc, mais je pense pas. Hein. Ah oui, t'es déjà dans le. Bah, il faut y aller, essayez de voir. Donc, bien analyser, dès qu'on voit un truc, on dit sans. Ok, faut avoir du travail d'équipe. Mais je pense que vous venez d'être là, t'es le capi-chef. Si vous venez de nous rejoindre, on est en train de faire un énorme escape game qui nous dépasse. On venait ici, voilà, passer un bon temps, boire un petit thé. Ça descend vraiment. Ah ouais, alors, t'inquiète, et moi depuis tout à l'heure les gars, je suis... Ouais, j'ai mon épaule sur le rebord au cas où, je suis en position vraiment survie. Ouais, pareil, je suis en position survie depuis tout à l'heure. Le grand JD va être un peu, on l'a dit, le capitaine. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire dans un escape game de manière importante pour la cohésion d'équipe? Communiquer ce qu'on voit, essayer de pas trop crier. Ouais. Dès qu'on voit des trucs, je pense que ça va être des pièces à ouvrir, des mécanismes, des conneries comme ça. Donc s'échanger des infos. Comme ça, ça peut débloquer quelqu'un d'autre s'il est dans un. Là, le seul truc qu'on a, c'est qu'on doit trouver la grosse tête de clown. Ouais. Ouais, on a rien d'autre. Hein. Ouais. Après, peut-être qu'il y a des personnages qui vont nous gueuler des trucs. Putain, mais ça descend tellement bas. Ça descend, mais normalement, ça devrait être fini, non? Vous avez encore le réseau là? Allô? Je sais même pas si on est en live. C'est particulier. Ah ouais. En fait, le truc, c'est que là, on a. What the. Ok. Ça vient de s'arrêter. La vie de ma mère, il y a des gens qui seront licenciés demain, moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Steph et Lee, si vous regardez ça, vous êtes morts. Je rappelle qu'on sait. Ok. Oh shit. J'entends des voix cheloues. Shit. Attends, c'est quoi, je passe en troisième. Il y a des prières. Ok. À mon avis. Troisième, c'est le bon spot. Ah, il y a deux directions dans lesquelles on peut aller. C'est deux directions, il faut chercher la tête de clown. Qu'est-ce qu'on fait? On reste groupé. C'était des martyrs. On reste groupé. Pour l'instant, je pense qu'on reste groupé. On doit chercher une tête de clown. Qu'est-ce qu'on y voit? Là, je vois un escalier qui descend profondément. Je vois des portes. Est-ce qu'on peut déjà essayer d'ouvrir les portes? Venez, on fait pas comme dans les films en mode on se sépare. Porte par porte. Le rugby, il est chaud, il reste devant, c'est bien. Ouais, essaye tout. Fermé. Alors, le magicien de Paris, ça c'est un autre truc.
Je sais pas s'il y a un truc qui fait peur. Je sais pas. Attends, je vais regarder. J'ai peur par défaut. Il y a un truc ou pas, il y a un truc? Feld up, je t'envoie. Feld up, rentre. Non mais... Attends mais... Non, ressort. Il y a quoi? Il y a en gros une salle à peu près vide. Pas okay. Tête de clown? Ici, ça m'a l'air de pas être... Non, ici c'est... Attends, ressort, on reviendra par là après. Reviens. C'est pas ça normal. M'a pas l'air d'être très important. C'est pas une porte, ça? En gros, c'est genre... Une porte, enfin c'est genre... Oh merde... Il y a pas de tête de clown, en tout cas. Ok. Ferme, sortez. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Je sais pas, c'était juste du rouge, mais je sais okay, pas. Ok, c'est fermé, faut qu'on parte en bas, je pense. Observez vite fait. Ok. Attends, y'a rien, y'a pas de... Palais du Rire, 26 octobre 1999. Grand palace, 10 francs, ouvert tous les jours à partir de 10h. Ok. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés. Ça peut peut-être nous servir. Bah personnellement, j'ai... Bon, moi les gars, par contre je préviens d'avance. Moi, je suis vraiment dans le FC Lopsa, moi, ce soir. Hein. Alors, ah oui, attendez, faut que je vous explique un truc très rapidement. Je crois que ça a déjà commencé, mais à partir de maintenant, on a une heure pour finir l'énigme de cet escape game. À savoir que déjà, vu que c'est en partenariat avec Reyes, hein, qui a géré toute la prod, qui du coup, bah, nous, on ne courant de rien, ils ont tout géré. En gros, Reyes, ils mettent des réductions sur leurs produits en fonction de notre résultat. Ça va, Julien? Plus on va vite, ah ouais, plus on fait gagner au public. Donc, ouais, ici, ce que vous avez été checké. Soyons efficaces. Bon, là, tout est fermé dans ouais, tous les je cas. Pense, allons du côté de JD. Il y a quelqu'un ah. là-bas. Attends, je vais regarder. On envoie Feld up. Feld up. Tu fais quoi? Avance, Feld up. Il faut passer par les escaliers, mais il y a quelqu'un. Je vois rien, gros. Bon, là, il y a une porte au fond que je pense qu'il faudra ouvrir. Il faut débloquer un truc, je pense. Il faut aller okay. en bas. Il y a personne, mec. Hein. Si. La tête de clown. On cherche. T'as vu quelqu'un ou pas? Je l'ai vu. Mais... Arrête d'avoir peur, si tu peux. Mais non, mais mec. Mais rappelle-toi, il y a des martyrs. Putain. Venez, ouais. Bon, je pense qu'on est obligé de descendre en bas. Ouais. Ok, ok. Attends, il y a une porte là ici. Ah, quel wow, le S. Le je câble du. Encore, merci beaucoup. Oh, le câble du micro vient okay. de me toucher le cou, j'ai eu peur. On y est, on a trouvé okay. ici. Ok, c'est la tête de clown, ça, on est d'accord. Je te jure qu'il y a eu quelqu'un. Hein. Ah ouais, putain. Oh ouais, d'accord. Je m'y attendais pas du tout. Tu vois, c'est bien la position 3ème. C'est très bien. Vous voulez... C'est très bien. C'est très bien, monsieur. Monsieur, on va vous laisser, tranquille. On peut être potes. Allez, hop. Alors, il a un truc dans la main, attendez. C'est une clé. Non, je pense... Ah. Si, il a vraiment un truc dans la main. Je crois que c'est une clé. Qui fait un Shifumi contre lui pour l'avoir? Ouais, essayez de voir s'il a pas alors, une clé. Alors, va lui expliquer ce que c'est le Shifumi. Oh, attention, monsieur, vous allez faire mal. Non, mais c'est... Parce qu'il a plus rien à perdre. Regardez s'il a pas une clé. Ah. Couper? Faut couper. Ah! Faut couper. Mais là, c'est quoi que t'as dans ta main? Ah non, c'est... Attends, mais si tu coupes, ça va le libérer, frère. Ah, je veux pas le libérer, lui! Attends, Doc, vérifie vite fait si c'est une vraie araignée. Ah, okay. Couper. Non, on veut pas l'argent, nous, on veut juste... Alors... Je vois rien. Faut couper, tu dis? Ok. Peut-être que... Non, c'est pas une clé, c'est un truc qui ferme ses mains. Ouais, j'ai bien compris, mais... Là-bas, y'a quoi? Y'a forcément un truc. Je pense que si on le lâche... J'ai une pince. En haut. T'as mon pilier. Dans okay. la grosse tête de clown. Ouais, c'est ça. Oui, mais on l'a vu, ça. C'est ton maître. Ok, faut trouver une pince. La pince. Les gars, faut se dépêcher. Moi, je vais pas rester avec lui. Doc, tu restes en bas. On arrive. Doc, reste en bas. Non, essaye d'avoir plus d'informations, Doc. Non, je préfère... Il y a une tasse. Peut-être, ouais. Non, mais reste en bas, essaye de choper les infos, non? Ça va? Ça va. J'ai un seulement tilté, il y a un truc, là. Ouais, je l'ai vu aussi. J'ai un seulement tilté, il y a... Faut couper, les gars, faut couper, il nous manque un truc. La seule pièce qui était ouverte, c'est obligatoirement dedans. Attends, mais pause, on est passé à côté, on a pas vu. Si, je l'ai vu, moi, avec sa tête de momie. J'ai pas dû la voir. La seule pièce qui est ouverte, forcément, il y a un truc pour couper. Non, ouais. Je crois que c'est pas cette pièce-là, c'est une autre. Si. Il y avait rien. C'est sûr que c'est là-dedans. C'est la seule pièce qui s'ouvre. Continue à regarder le dos. Il est attaché. Mais non, il y avait un autre mec en haut de l'escalier, on l'a pas vu. Mais non, c'est pas un mec. Vas-y, va le toucher. Si, c'est un mec. Parce que je lui ai parlé tout à l'heure. Va le toucher. C'est un mec. Attends. Et les gars. Attendez, on fait une expérience sociale. On est trop dissipés. Attendez. On s'en fout du gars. Non, je te jure que non. Non, non, là, il y a une porte qui s'est ouverte. Monsieur. Ah bon? Où ça? Viens, appelle de. Là au fond. C'est vraiment un mec. Monsieur, je te jure, frérot, ça. Une porte aussi ouverte? Ouais. Venez, on lui parle après. D'accord. Il y a du nouveau. Ils ont besoin de nous. Je peux pas parler avec lui. Oh, il crie encore le clown normal. Fermez les portes, s'il vous plaît, les gars. Venez voir.
Bah attends, mais depuis quand ça s'est ouvert ici? Ah, il a la pince, il a la pince. Ok, il a la pince. Oh shit. Bon sang, on peut juste prendre la pince. On veut juste une pince. C'est à peu près tout. Flipper ça. Faites gaffe, il est pas caché lui. Donne la pince, donne la pince. Ah, c'est celle-ci, oh, wow. C'est ça, exactement. Des sous. Pas de sous, pas de pince. Oh, putain, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Venez. Faut que tu me fasses une diversion pour le mec d'en bas et je lui vole ses sous. J'ai hésité à moi à laisser ah, lui voler. C'est ça que je te disais. Mais oui, j'ai hésité. Vous lui faites une diversion. Ouais, vous faire, ok, ok. Tu lui parles à fond. Gotha, viens. Attends, mais faut se concentrer. Comment on fait pour prendre les sous? Non, vous faites genre, vous avez la pince. Explique-moi. Vous passez tous les trois. Vous faites genre, vous avez la pince. Il va vous sauter dessus comme il fait d'habitude. Je mets mon pied et je prends les sous, on s'arrache. Non, faut pas que tu mettes tes pieds, faut que tu mettes ta main direct. Ok. Ok, toi. Mais j'appuie chef, mon gars. Faites comme si. Allez, mon gars. Fais comme si t'avais la clé. Attends. Ok, les gars. Non, mais c'est pas un mec, ça. C'est... Non, on s'en fout. Mais je pense que c'est carrément. Allez, on s'en fout, les gars, on perd du temps. Carrément. Fais comme si. J'ai la pince. Laisse-moi dans la pince. On va te sauver. On va te sauver, mec. On a la pince. Coupe. Tu veux que je te coupe les. Ce qu'il faut faire, c'est nous donner ton argent. Mais non, on va pas prendre ton argent, on revient, on a la pince, on a la pince, on revient couper. On arrive tout de suite. Oh, t'as un crack. Viens tout de suite ici, Julien. Oh, comment ça? J'ai un smite, un gars comme ça. Au revoir. Hey, je vais essayer de faire des économies, on va essayer de donner qu'un. Attends, prends un peu des gains dedans, non? Les gars, on perd du temps. Ouais, on perd du temps, on perd du temps, les gars. Les subs, maintenant, ils sont qu'à 4 balles. Essayez de garder la thune. C'était pas là? Si, c'est là, c'est là. Les sous. Sous. Argent. Ah, d'abord la pince, hein. D'abord la pince. On veut la pince. La pince. Argent. La pince, on a que ça. On veut la pince. Prends-le. Ok, regarde. Bonjour. Ciao. Je savais que c'était un putain de... On a payé. On a encore. On a payé. Argent. Ouais, ok, je donne tout. Tiens, j'ai tout donné. Ok, on a tout donné, monsieur. Allez, on n'a pas le temps. Allez, les gars. Attends, mais la pince, tu vas faire quoi? Tu vas couper. On avance vite. Mais dis-le lui. Les gars, il court. C'est bon. Ah, mais c'était lui qui était dans l'angle. Non, c'est pas lui. Il est encore dans l'angle. Les pinces. Il a tes sous derrière. Coupe. Coupe, ouais. Coupe. Je vois rien. Attends, il a un peu plus de range là, non? Vas-y, tiens. Non, on n'est pas en sécurité, Edouard. Vas-y. Oui, on coupe. Sur tes doigts. Fais gaffe à la porte. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle d'avoir ouvert ça. Ok. Ici, t'as tout, hein. Oui, on coupe, on est au max. T'es là. Clown. On va couper, coupe. Oh, putain, il faut encore que tu coupes. Continue. Putain, mais c'est vraiment... Putain. Allez, les gars, sortez-nous de là. Vas-y. Putain, arrête pas. Dogby. Ouais. Ah, c'est bon. Oh, let's go. Je vais pas te... Coupe. Mais je pense que ça peut être notre pote. Coupe. Ah, c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. J'ai vu dans sa race, il me fait flipper, lui. Non. Il y a un canard. Oh, on y voit rien. Ah, c'est bon. Tu l'as? Oh, super. Oui, on entre. Chier. Oh, j'aime pas les draps. Oui, on rentre. J'ai un truc violent dans les mains. Ok. Belle mise en abîme. Je pense que la pince, on peut la garder. Est-ce que... Putain, mais il est fou, lui. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il avait un peu plus de range que... Il veut que tu le coupes. Non, mais c'est bon. On coupera plus tard. Ah ouais, non. Bon, belle mise en abîme. Est-ce qu'on a un nom de code pour tout arrêter à tout moi, moment? Moi, je pense que c'est peut-être le découper. C'est pas le gars, Julien, Feldup, Boigny, bonsoir. Je suis ravi que vous ayez répondu présent à mon invitation. Vous êtes bien courageux d'avoir osé descendre ici à 30 mètres sous Paris, dans cette cité des martyrs. Visiblement, tu t'es bien entouré, Gotha, pour venir récupérer ton bien. Mais laissez-moi me présenter, je suis Monsieur Lune, le créateur de ce palais de rire. J'ai créé cet endroit pour divertir et offrir un peu de joie aux habitants de cette foutue cité, mais contrairement à vous, je n'ai jamais trouvé mon public. J'ai donc été contraint de fermer les portes de mon palais il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, les règles ont changé. Mon business est simple. J'envoie des hommes à la surface de Paris voler à des personnalités leurs objets de valeur que je revends ensuite sur le dark web. Et toi, Gotha, tu n'as rien remarqué quand on est venu te voler un de tes objets les plus précieux. Mais ouais, ton trophée YouTube.
Il y a des gens en vente sur le dark web et les enchères s'envolent. Tes abonnés sont vraiment des sadiques. Dans très peu de temps, les enchères seront terminées. Ton cadre appartiendra à un inconnu. Tu n'as plus que quelques minutes pour le récupérer avant que la vente ne se termine. Alors tu vas devoir prouver une nouvelle fois au monde entier que tu es bien le French Monster. Histoire de rendre la soirée plus excitante pour mon business, j'ai installé tout ton dispositif pour vous filmer en direct sur le dark web. Et mes clients adorent l'idée. Des dizaines de milliers de personnes vous regardent actuellement et payent cher pour n'attendre qu'une seule chose, vous voir souffrir. Pour récupérer ton trophée, il va falloir faire preuve d'intelligence et de courage. Il se trouve derrière la seule porte de la pièce dans laquelle vous êtes actuellement. Mais pour ouvrir cette porte, il va me falloir une clé. Cette clé se trouve dans la petite boîte noire sur mon bureau. À vous de trouver le moyen d'ouvrir cette boîte noire. Alors, bonne chance et que le spectacle commence. Le vrai problème, c'est que ça manque de lumière. Tu y tiens vraiment à ton trophée ? On a un scorpion. Non, alors là, la vie de ta mère, c'est des vrais. Oubliez-moi. On a 1, 2, 3, 4, faut aller, hein. Quoi ? Comme ça ? Bah, mec, pas de putain, il a l'air vénère en plus, ils l'ont bien vénère. Alors. Donc ici, il y a des casiers. Ici, il y a un cadenas, si vous avez une bien clé. Bien sûr qu'il faut fouiller. Non, pour moi, c'est 100% là-dedans que vous fouillez. Il y a un putain de serpent, sa mère, la pute. Oh là, moi, vous m'oubliez tous les jours. Les gars, faut se dépêcher. On cherche trois numéros, essayez de chercher. Mais non, mais moi, je vous dis, moi, je suis fort pour tuer des gens sur des pixels. Mais ça, les gars, moi, je suis pas le French Monster, je vous le dis. Non, mais on n'a pas le choix, mec. C'est vrai, serpent. Faut fouiller, mais. Ok, ça m'a l'air. Ok. Mais après, je vous laisse, les gars, parce que moi, je le ferai facilement. Ah, ça, mais... Tu veux faire ? De quoi ? Non, non, faut que tu participes, Kota. Non, mais Dan, je peux te la prendre. Non, mais va falloir. Il y a soit des clés. Oh putain, ça me donne envie de dégueuler, gros, vraiment. Ça, c'est vraiment un truc que. C'est pas dégueulasse. Julien peut faire, tu vois, des trucs comme ça. T'es un bonhomme, frère. Mais non, mais cherchez ailleurs, on va. Oui, on cherche ailleurs. Ouais, t'as pris. Non, mais je vais même pas te juger parce que t'as pris les. C'est quoi, c'est des petites souris ? Et c'est un vrai, ça aussi ? Mais en fait, il faut aussi voir qu'on peut essayer de chercher des chiffres, tu vois, un peu partout. Par exemple, il y a 4 souris. Full. 4 souris. Ah, t'as bien. Ouais, putain, moi je me fais chier là. Il y a combien de serpents ? 4, 1. Oui, c'est peut-être sous-jeu. C'est dommage qu'on ait pas de lumière. Sous-jeu ? Non, je pensais, il a raison. Waouh ! Mais attends, mais drogue, on n'est pas fait pour ce genre de choses. On a toujours le coupe-coupe ou pas ? Ouais, j'ai toujours, mais j'ose pas coupe-coupe parce que je crois pas qu'on coupe-coupe ça. T'as raison. Moi, je me coupe-coupe, mais c'est peut-être triché de coupe-coupe. Attends, on commence par quoi ? Il y a 4 petites souris, 1 scorpion. 4. Combien de serpents ? 2, 3. 3 au moins ? On a 3 têtes, je crois. Et go, les gars, je crois qu'il y a quelqu'un dedans. Non, 3 têtes. 3, ouais, 3. Possible. Et t'as. Il y a quelqu'un dedans. Il y a 3 têtes. T'as essayé, Attends, c'est simple, 4-1-3, 4-1-3, sinon t'essayes de... Attends, 4, ah ouais, 3, ils étaient inversés. J'ai déjà essayé 411, j'ai dit... 411 en 4, plus, 5. Les ambiances, elles sont dures, mec. Non, mais je pense que ça devrait être évident si ça se trouve. Coup-coup. Ah oui, carrément. Il va nous stresser tout le... Il y en a combien en tout ? Je sais pas s'il veut nous faire peur ou s'il veut nous... Non. Faut qu'on il est pas là pour nous aider, je pense. Je pense que si, moi. Les mains non, je, non, je te jure, il est pas là pour nous aider. Okay. Lui, il est pas grand-chose. Tu peux peut-être ouvrir. Attends, mais on peut le voir à la cam, non ? Bah, je le vois pas. C'est cette caméra. On parce que moi, il y a ça. Est-ce que je coupe ça, quoi ? Moi, ma question, c'est est-ce que je coupe ça ? Les gars, je crois que. Faut pas fouiller dedans ? Ça nous aide pas un truc, ça ? C'est un truc de toilette. Ça peut pas nous permettre d'ouvrir un truc ? Bah, là, il y a une toilette. Ah, t'as une toilette, toi, déjà ? Je t'ai pas compris le. Ah, attends, truc de toilette, c'est là le truc, le truc de toilette ? Ouais, non, je... Ah ! 84. Ça n'a rien à voir. Si, bah si, je pense, hein. Et de toute façon, il n'y a rien qui est laissé au hasard ici, je pense. Mais je suis pas... Ouais, mais j'ai un autre chiffre là, tu vois. Mais ouais, ok, 84. Non, mais ça, c'est peut-être la 84. Parce que regarde, la typo est pas normale. Il y a des clés à trouver, fouillez bien partout, hein. Regardez bien partout, mais... Moi, je pense que vous avez la bonne piste, les animaux, le code. Ok, attends, pause. Au cas où, de nous quatre, là... Ouais. J'ai essayé de trouver un... Attends, toi, tu peux mettre ta main partout, là ? Ouais, les serpents, ils disent qu'il faut pas le faire, après... S'ils disent qu'il faut pas le faire, c'est aucun intérêt. Mais y a rien chez les rats. Et dans le serpent, y a rien du tout. Hein. Ouais, t'as regardé, y a rien. Tu vois en dessous, tu sais ? Ouais, ce qui nous débloquera, c'est la clé qui est là-dedans, effectivement. Il y a combien d'animaux en tout ? Et je veux dire... Ouais, c'est pas con, il y en a 5, bah 3 plus 4... Non mais l'environnement peut-être pas être 7, malin, 7, quoi. 8. Ah, essaye 8, 8, 4 ! Coupe-coupe ! Ouais, je vais essayer ça. Arrête un truc. Ah ! Putain, il me fait fou. Oh, ça s'accroche. Il a dit quoi ? Coupe-coupe ? Non, serpent. Serpent, il nous dit serpent. Coupe-coupe, c'est notre pote. Serpent ! Ah ! Ok, bah faut que ça marche. Attends. Non mais frérot, t'as vu le message, il fait peur, hein. Attends. Serpent très dangereux. Allez les gars, le serpent grand. Qui nous amène à quelque chose, hein. Code, une clé. Gros piton et code clé, les gars, code clé dans le serpent, là. C'est ça qu'il faut. Mais il est vivant, c'est un vrai.
C'est des vrais frères. Ah ouais, non, pas moi jamais de la vie. Moi j'ai pas signé pour ça, moi. Si on meurt au final, ce sera sur la chaîne de Gotha. Donc c'est cool. Si ça passe. Attends. Je pense que c'est sur un des serpents, tu vois. Par contre, c'est vraiment. Imagine, je l'ai là comme ça. Franchement, c'est les deux meilleurs guests, hein, par contre. Hein. Ouais, bah gros. T'imagines, on était deux là-dedans. On serait resté coincé ici. Fin de tournage. Ouais, fini. Attends, tiens, on met bien ça. Bien sûr, avec plaisir, y a pas de serpent. Oh, excuse-moi. Attends, c'est peut-être dessus. Regardez-le, regardez-le. T'inspectes, Gotha ? Non, y'a rien. C'est bad. Oh, avec toi, frérot. Non. Sérieux ? Ça, regarde. Je suis en train de lui démonter son habitat. Ouais, ouais. Oh putain, tu vois. Excuse-moi. C'est ça. C'était quoi ? Oh, y'a une clé. Y'a un truc. Une clé. Let's go. Alors, tu vois, c'est quoi ? La boule, y'a rien d'écrit dessus, mais par contre, j'ai une clé. Bien joué, merci. Bien joué. Y'a pas un truc pour la clé là ? Bah, il faudra trouver après, je pense. Là, ça ouvre ça. Ou là, t'as une porte, hein. Ici aussi. Ouais, mais y'a pas de serrure là. Si ? Ah, si ? C'est bon, ça ouvre ? Mais les gars, si on avait fait coupe-coupe dès le début, on était bons aussi, hein. Bah, en fait, je pensais pas les gars. Ok, c'est bon, c'est ouvert. Ah, c'est la triche. Ouais, je pense. C'est vrai que j'ai pas osé. C'est un tricheur, les gars. Je t'aide, hein. Okay. Bon, les gars, pour moi, il y avait un mec à l'intérieur, hein. Oh, merde. Ah, c'est bon. Ouais, je comprends la crainte, hein. Bon, attendez, on résume juste. Il y a une boîte à trouver, il y a un code à trouver. Là, regardez par là, il y a un truc. Oh, il y a des vêtements rayés. La classe. Vraiment? Ouais, vraiment. Regarde. Ok, c'est le moment, Doig. Mesdames et messieurs, qui nous aide à grâce la prod. À Reyes, qui nous permet voilà, d'avoir la prod nécessaire pour faire ce live en direct, justement de l'escape game. À chaque énigme réussie, on rajoute 5% de réduction dans votre commande durant le live. Et si on réussit en moins d'une heure, il y aura un produit offert par commande. Donc profitez-en, passez votre commande, parce qu'il y a moyen d'aller chercher le produit offert. Regarde dans la poche. Bien vu ça. Attends, en fait, j'ai juste peur que de mettre ma main qui est une araignée. Moi, je suis pas comme toi, t'es un malade. Non, mais j'ai pas le choix, mec. Il fait la promo, il est génial, Jacky. Il se met à l'aise. Bah moi je fais mes emplettes. Hein. Tiens, vas-y. Là. Ah bah voilà. Ah. Pièce secrète. Con, pardon, excusez-moi. T'inquiète, normal. Ah, c'est d'accord. Pas, bah merci Feldup pour la promo du coup. N'hésitez pas les gars sur le chat. Ok, ça. Alors est-ce que quelqu'un peut rester peut-être devant les caméras ? Ouais. Je vous vois. Ok. Je te laisse là comme ça tout seul. Ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin alors ? Observons. Okay. Si on se revoit pas, j'adorais tes vidéos. Porte fermée, des cadres. Est-ce que... Attends, ça bouge, ça. On a un miroir. Ouais, ça bouge, dessus. ça va tourner. On... Attendez. Ah oui, ça tourne. C'est un faux sol, je crois. Ouais. Attends. Est-ce que okay. Est-ce qu'on ferait pas que nous, non, on fasse tourner ? Non, mais ça sert à rien que je reste ici. C'est quoi, ça ? Ok, ça... Ah, regardez. Ça, regardez, ça, c'est, ça m'a l'air d'être un truc qui s'ouvre. Ouais. Oh. Porte. T'es sûr que c'est prévu que ce soit toi qui l'ouvre ? Je pense pas. Touché à la sortie du palais du rire. Essayez de capter un peu, il doit y avoir un mécanisme à la con. Les gars, soyons logiques. Il y a que des trucs, t'es un peu forme bizarre là pour tout hypnotiser. Ouais. Essayez de chercher sur ceux qui ressemblent pas à ça, du coup. Tu sais, c'est. Ça. Faut voir, faut voir. C'est quoi ce machin ? C'est une porte qui n'ouvre sur rien. D'accord, là t'as une porte aussi. Là ta main, tu la mets. Je vais essayer de voir si j'ai pas un mécanisme. Là y a une. Ah, mais regardez, c'est quoi ça Moi j'ai une trappe. Ah, ça c'est l'aération. Ouais, je crois que ça, ouais, je crois que. En train de niquer le game. Ça, ça a peut-être un sens. On doit chercher celui-là, on l'a... Moi, je vais retourner aux caméras, je pense qu'il y a un truc à faire entre les deux pièces. Ouais, vas-y. Des boutons, vas-y. En fait, le sol, il bouge. Est-ce qu'il faut pas faire bouger le sol qui ouvre quelque chose d'autre ? Coucou ! C'est toi qui avais ça ? Doig, c'est vraiment pas marrant si c'est toi. coup. Ah non, il parle à son pote coucou. T'en voulais pas qu'on essaye de faire tourner le truc ? Qu'est-ce qu'on a loupé ? Vas-y, attends. Dans quel sens ? On avance tous les deux on se met dans le même sens, genre de la rotation. Fort, putain. Comme ça ? Ah, bah du coup, c'est ça. Attends, bah non. C'est pas moi, frérot. Mais non, pour moi, c'est genre. Ah, non, juste... Est-ce que c'est pas moi d'activer un truc pour vous ? Attends, est-ce que c'est dans ce sens-là ? Il tourne de l'autre sens, ce truc-là. Ah ouais, Est-ce que c'est pas moi d'activer un truc ? C'est quoi ce truc ? Ça se trouve, c'est pas du tout. Si, mais ça. Les gars, c'est un tarot, je t'en prie. Non, c'est le mécanisme, peut-être. Ah, ok, j'ai capté. Les gars, ça sert à rien. Non mais là, il y a notre main aussi. En bas de toi. Et tu me touches, touche-moi. Mais qu'est-ce que ça sert à rien ce que vous faites hein. Et là... Ha ! La vie de ta mère, c'était ça oh. Ouais, mécanisme. Incroyable, mec. C'était main avant, main arrière. Ah ouais, incroyable. Mais frérot, j'ai l'impression d'être trop con. Non, il faut une porte. Vous avez une porte ? Vous avez une porte ou pas ? Mais peut-être il y a... Là, il y a une porte. Il faut une serrure un peu attends, comme ça. Attends. Tu vois, faire la porte. Il était beau ce magnétisme. Bah, j'avais vu lui, mais je pensais pas que c'était du same time. Attends, je reviens parce que c'est pareil, ils ont plus l'image de la GoPro. Là. T'inquiète. Vas-y. Très très malin en tout cas le mécanisme. Et c'est qui fait ça ? Ça, c'est aucun de nous. Attends. Là, c'est aucun de nous. Ok. Yo les gars. Tiens. Attends.
Je sais pas si c'est une bonne idée de s'enfermer dans cette pièce. Bah, de toute façon, on peut plus ouvrir. Merde ! De toute façon, on peut plus sortir de là. La vie de ta mère ? Bah, Tess, je viens de faire... Ah si, c'est bon. Dès que ça s'est arrêté de tourner, c'est rouvert. Ah, okay. Oh, il y a un écran, une image, une vidéo ! Il y avait eu quoi ? Décris ce que t'as vu. Bah ça, c'était depuis le début ? Oui. Ah bah... Mais c'est trop con ! J'ai cru, en fait. Moi, je m'attendais à ce que t'aies vu. Si vous faites pas circuler les infos... Ouais, non, mais t'as raison, mais c'est... Mais... Non. En fait, le truc a juste tourné. Alors attends, parce que ça montre un peu le truc où on vient de tourner. Ça a tourné comme ça. Non. Il y a Coucou. Putain, Coucou. Putain, il m'a foutu la map. Coucou, t'es là pour réparer la caméra ? Ça va, ok, mon pote. Coucou. Allez, Coucou, tiens. Allez, prends un castoc. Coucou. Eh, c'est vraiment un frère, Coucou. Putain, vraiment un frère de quoi ? C'était pas fermé, tu m'as dit que c'était fermé ? J'ouvre, j'adore. Mais il y a pas de serrure. Ça, il faut une serrure. En fait, le seul tableau qui ressemble dans le truc, c'est celui-ci. Tu regardes en bas, c'est exactement ça. Les gars. Et pourquoi ça tourne ? C'est Coucou. La vie de ta mère. Oh non, Coucou, t'as pas le droit à ça, Coucou. Ah. J'ai compris, du coup, je pense que... Ben non, mais on peut sortir. On peut... Tu vois, du coup, on est vraiment coincé. Mais par contre, il y a un truc avec la clé, les gars. Dès qu'on débloque une clé, on peut ouvrir un truc. C'est la base. Toutes les 1 minute 30. Ouais. Entrez. Oh. Attends. Je peux pas ouvrir. On peut pas. Ça s'ouvre après que ça ait tourné. Merci. Ok, pardon, Coucou. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai envie de toucher à celui-ci, mais il me fait peur, Coucou. Non, ça sert à rien, ça. C'est juste pour Coucou. C'est pour faire... Non, lui, ça sert à rien. Lui, c'est ouais, celui qui signe... Ouais, je pense que c'est pour le maître du jeu. Ouais, attends. Faut comprendre pourquoi ça tourne. Là, ça tourne comme ça. Je capte pas. Pour moi, parce que des fois, regarde, là, on bouge pas, ça tourne. Quelqu'un nous entend, en fait. Les gars, pour moi, c'est 100% ici. Amazing Circus, c'est 100% là. Est-ce qu'il faut le déchirer ? Non. C'est 100% là. Excusez-moi. C'est 100%. C'est pas possible d'être coincé. On est si nul, attends. Les gars, on est 4 cerveaux. Oui, mais... Il y a une clé, elle sert à quelque chose dans cette pièce, s'il nous enferme là, obligatoirement. En fait, sinon, oubliez la clé. Genre, faut trouver un truc. Non, c'est sûr dans que la clé, elle a un sens. Avec... Elle a un sens, mais peut-être pas maintenant, effectivement, mais quand même. Ok, les gars, j'ai trouvé. Non. Putain. Oh, sérieux ? Elle était cachée de ouf. On était... Ouais, ils sont forts. Hein. Faites gaffe, il va se passer des choses, je pense. Ok. No spoil. Très bien joué, en tout cas, la JD. Et voilà, les araignées sont là si tu veux. Attends, faut voir comment il était le trou. Montre à... Wow. Amène ta caméra. Ouais, très fort, hein. C'est caché dans la peinture. Les araignées sont là, si ça te va. Ah, mais c'est... Bon. Ah, mais attends, mais c'est des... Ah, mais attends, mais c'est des vrais. Attends. Oui, c'est des vrais. Lucie et ça, son venin est particulier. Je suis désolé, mais la vie de ma mère, je touche... Il faut l'apprendre. Son venin est particulièrement puissant. Ah, putain, en plus, elles sont méga agresses. Elles montrent un effet... narcotique. Hémolytique et nécrotique. Il provoque quoi ? Attends, t'es sûr que tu peux pas voir ce que ça provoque ? T'as l'air serein, ok. Bah, fais-toi provoquer, frère. Ok, j'ai trouvé. Okay. Comment ça t'as trouvé ? Deux. Ça, c'est pour le code de là-bas, ça ? Ça se trouve, c'est le code d'avant. Ça, c'est un aimant. Ça va être super bien, l'aimant. Est-ce que l'aimant, c'est pas pour le truc que vous avez fait avec l'aimant ? Oui, exactement. Il faut laisser sur un tableau, sur un truc. T'en mets sur le tableau de la main ? Deux. Ah, et c'est en dessous. Félicitations les 4 gamers. Les enchères pour ton trophée montent et le nombre de spectateurs également. J'adore cette soirée. Vous avez réussi à avancer, il est maintenant l'heure de passer aux choses sérieuses. Si vous voulez récupérer la seconde partie du code, il vous faudra réussir la prochaine épreuve. Mais cette fois-ci, on va compliquer la tâche. Il me faudra une seule personne. La porte derrière vous va s'ouvrir, et je veux qu'une seule personne rentre dans cette pièce. Les autres, refermez la porte et regardez l'écran. On va voir si vous avez toujours autant de courage. Là, je vous avoue, pour une fois, je suis pas serein du tout. En fait, je me tâtais à y aller, mais le problème, c'est que... Moi, je pense qu'on envoie Gotin. Non, frérot, vu comment c'est, jamais je vais avancer. Tous les animaux, on les a fait. Tu peux encore ? Tu veux que j'aille à ta place ? Non, j'y vais. Tu veux ? Attends, prends la caméra avec toi. Bonne chance, mon gars, c'est ta chaîne maintenant. T'es sûr que tu veux pas y aller, Gotha ? C'est le moment de vivre un truc, là. Y'a plus d'histoire d'animaux, on a fait les araignées, les serpents. Oh, dans quel sens pour que... C'est quel sens qui tourne ? Genre là, dans ce moi, je pense, les gars, venons, laisse Gotha. Mais non, mais frère, je peux pas... Gros, c'est avec Coucou, t'es embêté avec Coucou. Va voir Coucou. C'est comme une... Non, va falloir manger un. Bonne chance, frère. Ah oui, d'accord. Vas-y, hein. Bonne chance. Ouais, bonne chance. Ok, wesh. Va falloir grailler de la merde. Oh non, ils ont esquivé ! C'est fort boyard, le truc. Ouais, il a mangé de la merde. Oh, fait chier. Oh, c'était terrible pour lui. Bonjour. Ok. Putain, j'ai pas du tout pris mes... responsabilités, c'est impossible que je fasse ça. Mais mec, les araignées, le venin qu'elles ont là, les crochets, mec, c'est un truc de malade. Vraiment ? Mais regarde. Ah, je peux pas vraiment, j'ai mal endormi. Ouh !
Non, mais... mais elles ont des crochets, mec, c'est pas des lol, hein. Elles ont des énormes crochets. J'étais prêt à les prendre, tu vois, à la fourboyeur. Oh, non. Y'a quoi dedans? Y'a quoi dedans? Non, c'est bon. Ah non, c'est des insectes. Oh, moi, c'est pas grave. Je pense que vraiment, je l'aurais jamais réussi, moi. C'est un bonhomme. Attends, mais là, dites-vous, il est dans le noir, on est d'accord? Ouais, ouais. C'est immonde, frérot. Tout. Tu vois, tu me disais. C'est beaucoup, mec. Hein. Ah oui? On avait un débat, là, il y a deux autres, parce qu'on t'entend sur live. On avait un débat avec toi, en mode. De toute façon, vu que c'est. Oh, ah, c'est vraiment. Il y a des gens et tout, tu vois, genre normalement. On se dit juste qu'on va pas mourir à la fin et c'est bon. Mais frérot, toucher les arbres, toucher les serpents, manger des trucs. Genre, même si tu sais que tu vas pas mourir, au pire, jamais ils vont te tuer la prod. Jamais, ils vont pas dire. Putain, mec, il a échoué aux autres. Mais hein. Ça va être long à manger, mec. C'est pas bien là. Ok, ok, d'accord, frère, c'est bon. T'es malade. Ça se voit que vous êtes. Et toi, qu'on est que des deux. Il y a une douille. Il y a une douille. Je suis pas bien, c'est bon. Fais le duplo, j'ai bloqué. Le maître, il a dit. Comment ça être amis, tout ça, 100%. Allez, vous êtes là. Le thème qu'on fait aujourd'hui, il a été fait sur mesure pour nous. Tout. Donc personne ne l'a jamais fait avant parce qu'on le refera jamais. Ok, d'accord. T'as personne. Ah. Non, 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 non. Mais ça marche quand même. Bon, hein. Ah, il dégueule. Qui aurait pu faire ça? Vous auriez pu voir. Ouais. C'est bon, pas trop, non. Oh. J'ai connu mieux. Prochaine fois que nous, c'est moi qui lui fais le pire truc. C'est horrible de le voir, en fait. Eh, les gars, Au moins, il a de la chance. Manger tout. Attends, mais attends, il est obligé de... Yes. Et t'as le code, hein. T'as deux. Ouais, j'ai c'est deux. Il y a marqué deux. Merci beaucoup. C'était super sympa. Ça ira, merci beaucoup. Non, ça ira. Oh, qu'est-ce que t'as mangé? Cafard. Bravo, mec. Cafard. Mec, je suis tellement mal. Genre, vraiment. Oh putain. T'es content d'être venu ce lundi nous accompagner? Bien, ouais, t'as assuré. On en a deux du coup sur trois. Mais c'était quoi? Vous avez qui a la. On a le 2. Deux. Vous aviez le chiffre 2? Ouais. Deux. Un. Moi j'ai 1. Ok, donc on a 1, 2. Attends. Donc en fait, le 1 c'est à la fin. Le 2 c'est le 1. Félicitations. C'était bon, non? Maintenant vous êtes presque. Alors, il va falloir être précis. Puisque pour avoir la dernière partie du code, vous allez avoir un temps limité. Ok. Un gaz toxique va bientôt se propager dans la pièce et vous allez avoir 5 minutes pour récupérer le dernier chiffre de la boîte. Sinon, mes clients assisteront à la mort la plus longue et intense jamais vue en direct. Alors bon courage et top chrono. Mais déjà, on a déjà tout fouillé. Alors ce circus, et t'avais un truc aimanté, t'avais une petite pièce aimantée. Oui, exact. Il y a le gaz, Là, c'est sûr, il y a du creux. Là, il y a du creux. Est-ce que tu l'as mis la pièce aimantée? Je l'ai dans le. Vas-y, mais mets sur ça, grand. Oui. Voilà, voilà. Ouais. Ça ouvre. Ça change rien, ça. Ça change rien. Essaye ici. Attends. C'était une bonne idée, pas. Oh putain, le gaz toxique. 5 minutes. Donc là, c'est la clé, ok. Ça, on a déjà là, fait. Montre-leur comment ça. Ouais, non, mais ah, il voit bien. Mais en fait, on va avoir de moins en moins de vision, les gars. Ouais, c'est ça, en fait. 2, 1, attends, pause. 2, 1. Là, c'est quand même bien renforcé, en vrai. Ouais, là, ça s'ouvre, frérot, ça s'ouvre. Ah, ouais, ça doit être. Ah, attends, attendez. Non, regarde, là, ça s'ouvre. C'est 100% sur cette partie-là, vous savez pourquoi? Parce que vu que le gaz vient de derrière, il t'aurait pas aveuglé la zone directe. Exactement, et on a déjà fait aussi là deux choses. C'est là ou en bas? Attends. Après, ça peut être un mini. Non, tu dois pas forcer. Vas-y, oui. Avec ton aimant, tu passes, et je pense dans le. Mais il y a forcément un truc avec cette merde qui tourne, c'est pas possible. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est eux qui nous font tourner le bouton. Ouais, peut-être qu'ils nous donnent un indice. Ça a tourné comme ça. Un indice! Si ça se trouve, t'as une boule que tu dois aimanter et faire un parcours, tu vois. Tu fous du ton truc qui accroche. Non, c'est bien ça. Oh, les cafards, c'était dur. Oh, mais mec. Mais frérot, t'es un giga bonhomme. C'est... Ok, les gars, mais regardez, c'est un œil. C'est un œil. Cherchez un truc qui ressemble à un œil. Là, là. Ouais. Non, ça ressemble plus à un. Il faut un œil. Bah, regardez. Là, l'œil du soleil. L'œil du soleil. Non, c'est pas. Regarde quoi ça ressemble. L'œil du Making Circus, là, peut-être. Essaye cela. Un œil. Regarde. Dans les yeux du clown. Tu vois, dans les yeux du clown. Passe, vite. Après, c'est un œil de serpent, un peu.
Non, mais ça doit correspondre à... Regardez bien, ça correspond, vous voyez pas? Ah, avec une pupille, puis là c'est rouge, et puis c'est genre un œil. Un œil, y'a pas un dessin avec un... Wow. Non, je crois que je vais aussi. Deux minutes, les gars, on va pas... Putain, les gars, réfléchissez. Ça doit être ça, forcément, il faut essayer. L'œil, est-ce qu'il va pas... On a besoin d'un indice, mec. Donne-nous un petit indice, vraiment. L'œil... Ah, voilà. Oh, c'était ça, t'avais raison, c'était ça. C'était où? C'était l'œil du clown. J'ai fait un tour comme ça et à un moment ça a dû capter le clown. Oh putain, t'avais raison, c'était logique. En fait, ils ont mis tout ce que je déteste. Il nous faut juste le code. 1,55. Une boule avec un numéro dessus. Tiens, champion, vas-y. 1,50. Tiens, enlève des ballons. Enlève tout sort. Ils sont peut-être dans les ballons, on va taper dans les ballons pour voir s'il y en a pas dans. Vas-y, éclate-toi. Ah, mais on doit chercher un code. Non. Non, tu as dit une boule. Il est boule, Elle est là. Faut faire un jeu de fléchettes. C'est un jeu de fléchettes, il faut trouver un truc. Est-ce que vous avez pas des trous? Je me souviens, il y a des trous en métal parfois. Ah non, mais vas-y. Pète les ballons. Voilà. Là. Oh, t'as un bon. Ok, 7. Attendez, et après, on fait quoi quand on a les chiffres? On a les chiffres. 1,18, on a les 3 chiffres. Monsieur, on a les chiffres. Enculé, on a les chiffres. 2, 1, 7. 2, 1, 7. 2, 7, 1. T'es sûr que... Attends, le 1, il est à la fin. Le 1, il est à la fin. 7, 2, 1. Attends, est-ce qu'on peut faire un truc peut-être avec 700 euros? Non, c'est le code de l'autre boîte, je pense. Mais oui, mais on n'a pas la boîte, on aurait peut-être. Ah, c'est bon! Ouais! Oh, on a les chiffres! 7, 2, 1. Mais c'était sûr qu'il fallait péter les ballons, c'était sûr, bien ouais. Moi j'ai essayé d'aller dans la pièce à côté. Ah, c'est bon! C'est quoi? MVP, on a la clé! Vous avez trois chiffres qui ouvrent la boîte. Il ne vous reste que quelques petites minutes avant que la vente de ton trophée ne prenne fin. C'est bon, vous avez encore la possibilité de récupérer et de vous enfuir. Allez-y, on reste. Il y a un gars, Oui, il y a la tronçonneuse. Frérot, n'avance pas! J'adore m'amuser alors. Frérot, n'avance pas! Que vous devez bien connaître, le cache-cache. Venez. Il faut que vous ayez un petit secret qui vous sera très utile pour notre partie. Il y a quelques mois des exploitations de fermer la porte, mais je vois, mais non, je n'aime pas, monsieur, avec une bombe lacrymogène. Je ne vois plus rien du tout, j'ai perdu la vue à cause de ces cons. Par contre, mon ouïe est tellement développé que j'entendrai le moindre grincement de porte ou la moindre mouche volée. Alors la règle est simple, rejoignez-moi et récupérez le trophée. Soyez très, très discret. Si j'entends un seul bruit, ce sera la fin de la partie. Mieux vaut pour vous que je ne sache pas où vous vous trouvez dans la pièce. Sinon, la partie risquerait de vite se terminer. Maintenant, rejoignez-moi. Attends, quoi, on passe par où? On passe par où? Allez, pousse, c'est malin. Attends, t'en poses vraiment aucun. Mais tu sais ce que tu gères. Attends, mais en fait, faut tourner à gauche. Et là, le problème, là je te dis, c'est un fichier technique. Oui. Ouf. On va passer ici sans nous voir caché. Non, mais comment ça me fait délicieux? C'est pas tes sœurs. On passe derrière lui. Trophée. Encore ça, trophée.
professeur, mais tu l'as ? Le micro. Ah, c'est là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est fait sur une trappe. Fais gaffe, on met qu'à droite, hein. Fais gaffe, c'est peut-être pas un truc à droite, hein. Ouais, mais c'est bon. Il y a une trappe, 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 trappe. Vite ! Non, 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 non ! Vite, vite, vite ! Non ! Attends, attends. Ah, Doug, viens. C'est là. Venez. Bien joué. Je crois qu'on a le trophée ou moi ? Une pièce de l'histoire de YouTube.